Ah, mais c'est du 4 tirs normalement, non? Attendez, quand je fais retour de jeu. Ah, j'avais pas vu que je diffusais ça, moi. Il vaut mieux que je vous le mette comme ça. Ah, j'avais pas fait gaffe. C'est vrai que c'est du. Je vais préciser que je suis dans la version 06. Merde. Qu'est-ce qu'il m'a fait, cet idiot? Ah. Non, mais non, pas lire à partir d'un fichier. Voilà, bonsoir à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Tac, 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 tac. Ah oui, là c'est beaucoup plus correct, mon schmilblick. Attendez voir. Re, mon cher FunFan. Ah oui, je crois que c'était du 16/9, mais non, c'est du 4 tiers, mon jeu. Donc, tout à l'heure, vous vous êtes trouvé avec des bandes verticales de chaque côté. C'est un peu couillon. Bref. J'étais dans une sortie récolte de cobalt, pas très loin de la base. Et je vous prie de croire qu'il y a du nouveau. Alors, je vais attendre que l'adorable Christella fasse dans le quart d'heure qui suit le relais de chaîne, mais j'ai fait des découvertes qui m'ont fait flipper. Et évidemment, je suis pas allé au-delà sans vous, mais c'est stylé. C'est stylé. Alors, un max de cobalt que je me fasse, un max de d'oxygène. Oula, 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 j'ai zappé vers le ciel n'importe comment. Vite que je rentre à la base, en espérant que ce soit pas l'asphyxie. J'espère ne pas être trop loin, non, ça va avec ma réserve d'oxygène. Ça va être juste, mais ça va. Vous voyez à quel point la planète se végétalise. Alors, vous voyez, là, j'ai trié, j'ai nommé mes armoires, pas toutes, mais j'en ai fait pas mal. Là, par exemple, le titane. Ça peut paraître idiot, mais j'ai passé pas mal d'heures à brasser le contenu de mes armoires et à essayer de le classer, quoi. Alors, je vais me fabriquer mon oxygène. Vous voyez, ça, c'est nouveau, je vais vous l'expliquer. L'appareil, là, il est tout nouveau. J'ai fait tout à l'heure hors antenne. Ah merde, j'ai du cobalt en trop. Moi, je pense que Christella va mettre quelques clips. Comme ça me laisse un peu de temps. Ça, je vais faire le point sur la situation. Ah si, elle... Oula, c'est rapide. Je m'attendais à ce que... Message de FunFan 1992. À la base, tu m'as fait un raid et ensuite, il est allé chez Christella pour finir en fin de compte chez toi. Comme on dit, la boucle est bouclée. Oui, c'est vrai. Bah merci Christella, merci tout plein pour le relais de chaîne. Donc t'as fini Black Mesa, qui est la réinterprétation moderne de Half-Life, premier du nom. Je le précise pour ceux qui ne connaissent pas. Re Slayer Douglas, bonjour cher Nechevman.
Oui, Bonap, va te restaurer, t'as bien raison, après avoir fait la modération chez Christella Nash. Bonap à toi. Bonap aussi à toi aussi, Christella, forcément, vu l'heure, tu vas aller te rassasier. Merci tout plein, c'est très gentil. Bonsoir, Poupon. Donc, ça y est, comme vous êtes arrivés en nombre, je vais vous expliquer ce qui s'est passé durant cet après-midi hors antenne. C'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Bienvenue. Pas encore, mais bientôt le mien. Là, d'accord. Moi, j'ai profité à 19h que tu étais encore sur le jeu pour. De ton côté, pour me restaurer. Ce qui fait qu'à mon avis, je vais garder l'antenne jusqu'à 22h, 22h30 maximum. Et puis c'est bien, on aura fait en deux parties, en deux fois 2h, 2h30 du Planet Crafter aujourd'hui. C'est très bien. Alors, les nouveautés de cet après-midi. La terraformation suit son cours. On va aller voir les valeurs dans quelques secondes, enfin dans 3 minutes. J'ai augmenté mes technologies, dont ce poste sous forme de colonne qui est très important, qui est un manipulateur d'ADN. Là, j'ai l'occasion de faire des manips. Bon, je ne le fais pas pour le moment, mais j'ai la machine. Il se trouve que je peux faire des séquences génétiques à partir de mes premiers végétaux. Message de FunFan 1992. Le jeu lag. Le jeu lag alors que j'ai 60 images secondes. Merci pour l'info. Attends. Attends. Attends, je vais regarder mon retour. Bah, pour moi, mon retour est fluide. C'est pas ta connexion internet, FunFan, qui est en train de lâcher de ton côté? Merci pour l'info, mais pour moi, c'est fluide. Hein. Là, j'ai du 60 images secondes. Et je vous en envoie 30 par seconde. J'ai pas d'alerte d'OBS. Donc, je te cache pas ma surprise. Ça avait lagué, mais ça va mieux. Par moment. Ah bon? Bon, bah, j'espère que ça va pas trop durer. Merci pour l'info. Donc, séquenceur d'ADN avec les premières écorces d'arbres et des graines de végétaux, je peux faire des manipulations. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans la base des séquences ADN, si vous regardez bien, il me demande au milieu du mutagène. Si on regarde, y compris la webcam, oh, c'est bizarre. Oui, c'est pas normal. Merci pour l'info. Bah, faudra me redire si ça se répète vraiment à outrance. Ou alors c'est le démarrage du direct qui est un peu poussif. Donc, mutagène, il faut aller dans le biolab juste à côté. Là, c'est mon laboratoire, mon aile biologique au niveau de ma base planétaire. Le mutagène, mon problème, ce qui me manque, c'est les cartouches de méthane. Le méthane, c'est un gaz. Et les gaz, en ce moment, je ne les manipule pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas la technologie pour. Il faut que j'avance dans mon indice de terraformation. On va peut-être le voir là. Il faut que j'avance dans mon indice de terraformation pour pouvoir déverrouiller, voilà, l'extracteur de gaz. Il faut que j'ai 1000 pascal de pression. Là, j'en suis qu'à 27. Enfin, 1000. Non, 100, je dis des bêtises. Il faut que j'arrive à 100, je suis qu'à un quart. Là, je suis à 27 de pression. Tout à l'heure, j'ai rajouté deux grosses foreuses, mais qui sont énergivores, pour essayer d'accélérer la mise en place d'une bonne pression atmosphérique sur la planète, ce qui va me permettre de déverrouiller la technologie extracteur de gaz. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais lorsque j'y aurai accès, je vais pouvoir m'acharner dans mon laboratoire de biologie pour faire de nouveaux végétaux. En parlant de végétaux, on le voit peut-être même depuis mon point d'observation. Non, je sais pas le bon angle. J'ai fait des sorties autour de ma base, comme je vous l'avais expliqué, à récolter des matières premières à la surface même de la planète. J'ai vu des choses.
Nouvelle. Voilà, regardez les chiffres. Tout à l'heure, on s'était quitté. J'étais entre la mousse et les herbes. Maintenant, on est passé des herbes aux arbres. Ça commence à bouger sévère sur la planète. Ça correspond à l'ensemble de la planète, hein, ça. C'est pas les machines localisées expérimentales. Bon, on voit que ça bouge au niveau des valeurs. Là, ça s'affole bien. Je fais le nécessaire pour que ça bouge dans le bon sens. Bon, on va rester pendant un bon bout de temps encore aux végétaux, les insectes, ça viendra plus tard. Les animaux, c'est même pas programmé, c'est en grisé, c'est vous dire. C'est pas encore programmé dans le jeu. Mais un jour viendra. Au niveau énergie, j'ai à peu près la même marge que tout à l'heure, 300 kW à l'heure. Je me suis rajouté des panneaux solaires. Et je me suis rajouté deux foreuses T4 qui bouffent pas mal. Elles bouffent 130 kW par heure chacune. L'interface, bon là vous voyez, c'est comme l'autre labo tout à l'heure de biologie. C'est mes technologies qui se déverrouillent en fonction de mon indice de terraformation. Bon là attention, je fais attention à ma vie. Je bois de l'eau et je mange un coup. Voilà, mes trois barres sont à fond. La nourriture, l'hydratation et l'oxygène. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que il s'est passé tout à l'heure, j'ai passé un petit palier technologique. Toujours en lien avec l'indice de terraformation qu'on peut voir en haut à droite. J'espère que mon habillage de chaîne ne l'écrase pas, je crois que vous pouvez le voir. J'ai reçu un message. Je vais, alors c'est scripté, je vais le lire avec vous. Le message dit de Riley. J'ai effectué une analyse approfondie de la planète et quelque chose ne va pas. Je reçois d'étranges signatures géologiques et des données topographiques incohérentes à proximité de ton emplacement. Essaye de te rendre à cet endroit, à moins 248 42 93. Déjà, ça correspond pas à ce que j'avais noté, souvenez-vous, au niveau des piédestals là, de l'architecture dite des gardiens. Utilise le coin inférieur gauche de ton interface pour te repérer. Ah. Inférieur gauche. Ah oui, d'accord. Ça c'est même moi j'avais pas fait gaffe. J'ai ma localisation géographique. Oh la vache. Alors attends, je vais noter le truc et on va essayer d'y aller au passage. Parce que j'ai plusieurs découvertes à faire avec vous. Puis souvenez-vous. On a le. J'avais deux choix à un moment dans la structure des gardiens. Et j'avais fait qu'un passage, je crois. Sur la droite, j'avais pas pris à gauche. Donc souvenez-vous de mes gribouillis des coordonnées des anciens trucs. On va essayer justement la bonne information. Je savais même pas que j'avais une localisation. Alors je vais faire à part le truc de Riley. Riley me dit que je dois aller à un endroit qui est. Il m'a dit moins 248 42 93. On va essayer ce soir d'aller dans ces quatre endroits différents. Ça va être chaud. Ça va être chaud cacao et chaud chocolat. Et la nuit tombe. Alors, est-ce qu'on est prêt à partir en expédition? J'ai envie de vous dire oui, beaucoup d'oxygène, de l'eau et de la bouffe. Allons-y. Le suspense est à son comble. Donc là, on voit ma pépinière locale. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ma pépinière locale, là où j'essaye de faire pousser. Tiens, j'ai. Ah si, c'est allumé. Oh là, oui, il faudra corriger le défaut de. C'est beau, regardez-moi ces fleurs. Oh là là, cette poésie. Bref. Alors, et puis à la fin, si vous voulez, à la fin de mon direct tout à l'heure, on fera la fusée, on la fera décoller, parce que depuis qu'elle est sur le pas de tir, celle-là, elle est en train de rouiller. Vous voyez? Il y a un truc qui m'avait intrigué tout à l'heure. Vous n'avez pas comme l'impression qu'il y a une liane là sur le pilier de pierre dans la grotte? Je me suis approché. Je me suis approché à un point où j'ai arrêté. J'ai cessé de progresser. Car j'ai eu une révélation au pied de cette liane.
Et la révélation, on va la vivre ensemble. Puisque là, dans la terraformation, les arbres commencent à se générer en surface de la planète. On va peut-être pouvoir faire un peu d'escalade. Attendez, j'accélère le mouvement. Parce que je veux bien ménager un peu le suspense, mais pas trop en longueur. Hein. C'est pas Final Fantasy. Mais là, en plus, il y a une ressource qui est offerte, qui est du zéolite. Regardez-moi ça. Montez. Je peux escalader cette liane. On va découvrir ensemble. Ah! Oh, les premiers arbres. Oh, c'est quoi ça? C'est original. Bon, ça c'est du zéolite. J'en ai pas besoin pour le moment, donc je le laisse. Donc voilà, nous on a escaladé, on vient de là. Ouais, monter. Bon là maintenant c'est descendre, mais... Donc on est au sommet de la grotte. Dans un petit coin de paradis. Sympa. Sympa. On dirait presque des renoms dindrons. Bon, je pense pas qu'on découvre d'autres trucs, mais... C'est stylé. C'est original comme végétal. Ah, il y a un cadeau. Alors les coordonnées en même temps, je les regarde. Alors vous, vous les voyez pas, elles sont vraiment trop petites. Là, il me dit que je suis à 874 160 1033. Je sais pas comment faut les lire. Attends, la profondeur, c'est quoi? C'est la deuxième valeur. Ah oui, la deuxième valeur serait la profondeur. Waouh! Alors à 160 d'altitude, je serais super haut. D'accord, je suis en train de comprendre les coordonnées. Oh! Sympa la poudre explosive. Ah oui, on pourra faire des micro-puces aussi. On a peut-être des nouvelles technologies depuis la mise à jour. Ça, c'est possible. Ah merde, oxygène. J'avais pas vu que j'étais déjà à court de gaz. Je sais pas si je serai en droit de faire une base ici. Ah, il y a encore un coffre. Oh bah merde. Si le brouillard s'y met, ça va pas le faire. Écorce d'arbre. Ouais, il y a différents trucs à prendre. Sympa la récompense. Sans plus, mais sympa. Hein, on crache pas dans la soupe. Ah, ah, ah. Il y a une suite. Il y a un escalier. Ah, échantillon de bactéries. Intéressant ça. Oula, je peux pas tout prendre là. Il faut que je fasse du tri. Alors, les graines, je vais les laisser parce que... Ouais, ouf. Ouais, tant pis pour ça. Ça, j'en reviendrai une autre fois en récolter. Parce que je peux en avoir, c'est pas le plus rare. Ah. Ah, merde, c'est con qu'il y ait une tempête. Ça va gâcher le spectacle. Le moins que l'on puisse dire, c'est vertigineux. Ah, c'est ma base que je vois là-bas. D'accord. Wow. Alors, je suis embêté par la tempête, là. J'ose pas avancer. Ah, ça passe. La tempête... zap. Oh! Ah, c'est le lac. On voit où j'ai démarré mon exploration. Vous voyez, c'est là où il y a ma cellule de base. Oh, la vue est imprenable. Waouh. Eh bien, le plaisir de la contemplation. Là, je pense que si j'avance, je meurs, même avec le système de lévitation. Mais la vue est superbe. Si je peux construire une mini base ici, franchement, avec une baie vitrée, là, ça en jette à mort, quoi. Peut-être, plus tard, on verra. Si j'ai un intérêt à faire une base secondaire. Magnifique.
Oh, c'est stylé. Alors, il va falloir que je comprenne le coût des coordonnées. Il n'y a rien d'autre de caché. J'essaye de trouver des choses que j'ai pas encore vues. Eh ben. Bon, allez, on va redescendre. Il y a re-tempête. Terrible quand même. C'est stylé. Attends, je vais essayer d'entrer à la base, histoire d'avoir de l'oxygène gratos. Je sais pas si je vais arriver à temps. Ouh, ça va être juste. Faut que je trace en ligne droite. Oula, je commence à m'évanouir. Oh, oh, oh. Ouais! J'ai fait l'économie d'une... Pardon. J'ai fait l'économie d'une bouteille d'oxygène. Oui, alors je vais déposer mes trésors. Parce que il y a autre chose qu'il faut que je vous montre. J'ai fait une autre trouvaille. Attendez, je vais déposer ça de l'autre côté. Oh, j'aimerais bien que la tempête passe vite. Il me faudrait une météo claire pour vous voir de loin. Parce que j'ai peut-être repéré des trucs tout à l'heure. Mais je pourrais peut-être être amené à en repérer d'autres. Oh, encore les puces, je suis un peu gêné. Les puces, j'ai pas envie de faire le boxon. J'aimerais les ranger tout de suite dans mes quartiers privés. C'est trop précieux pour être égaré. Même si c'est un bazar organisé que j'ai, mais... Ouais, je vais les mettre là avec les... Voilà, avec les trésors des gardiens, leurs clés. Alors, la tempête, elle est passée ou pas? Justement, je regarde dans la direction dans laquelle je souhaite me rendre. Oui, c'est de toute beauté. Bonjour, la Jed! Ah, tu t'es fait un cadeau de Noël. Non, mais faut savoir se faire plaisir, la Jed. Oh, t'as bien raison. J'espère que tu vas bien, la Jed. Bonsoir à toi. Là, je suis à fond dans mon jeu. Hein. Pardon si je vous décroche au niveau du chat, que je suis pas forcément. Je suis complètement dans la poésie de ce jeu. Tout à l'heure, toujours en ratissant la surface de la planète, j'ai eu une sacrée surprise. Quelque chose qui n'est pas apparent aux premiers abords, mais qui est une récompense directe de la terraformation. Faut bien regarder au sol ce qui pousse. Elle était où, ma surprise? Elle était au niveau des végétaux, mais je sais plus où c'était. C'était pas trop loin. Là, je pense que je suis en train de m'égarer. Je crois que j'étais plus proche de ma base que ça. Attendez, j'en profite au niveau de mon petit point intermédiaire pour reprendre de l'oxygène gratos. C'était où? Alors pardon pour les saccades, hein. Je rappelle que mon ordi est sur les genoux pour ce jeu, d'autant plus qu'il est en développement. Il est en early access, comme on dit en anglais. Et le rendu est pas encore optimisé, mais le jeu promet. Hein. Punaise, il est d'une poésie. C'était où? J'ai un végétal qui m'a fait flipper tout à l'heure, et pas qu'un peu. Où est-ce que c'était? Merdoum. J'ai quand même souvenir que j'étais dans le sable, pas dans l'herbe. Bah merde alors. Vous allez voir que je vais pas retrouver le végétal qui m'avait intrigué.
Merdome. D'ailleurs, faut que je regarde les coordonnées, que j'apprenne. Si je suis proche d'une coordonnée qui est... qu'on a relevée précédemment. Non, mais c'était pas par là. C'était où? Je comprends plus. Bon, je vais aller un peu plus par là-bas. Je me souviens que je me rendais dans les dunes pour récolter de la ressource. Et là, j'ai une surprise. Mais où était-elle? Les végétaux commencent à prendre leur place. Bah merde alors. Vous allez voir, on va tourner en rond pendant une demi-heure dans le désert. Je vais pas retrouver le végétal qui m'avait fait flipper. Alors je vous avouerai que j'avais cru croiser une... c'est quoi ça? Ça au silicium. Un végétal que je n'avais pas encore en culture et qui se serait mis à pousser naturellement sur la planète. Ce qui potentiellement me donne accès à des nouvelles futures manipulations génétiques. Bah merde, on aurait dit comme une orchidée noire. Où est-ce qu'elle est, cette plante? Elle avait le gabarit de mes fleurs que je vous ai montré tout à l'heure, là. Les magnifiques colorés bleu turquoise et mauve, rose ou orangé. Et là, j'avais repéré comme une orchidée noire. Putain, mais c'est pas possible. Elle était où? J'ai pas souvenir que j'étais si proche de la côte. Merde, tant pis. J'utilise une capsule d'oxygène. J'ai pas l'air con. Bon, on reviendra pour l'orchidée noire sur... on ouvrira grand les yeux sur le retour, mais là, je m'en souviens plus. On va prendre la direction de la grande porte des gardiens. L'ancienne civilisation. On va les mater si on n'a pas loupé un passage. Puisque c'est énigmatique. Waza, mon cher Tunsen. Waza, waza. Oula, 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 oula. Je fais nimpe. Pardon. Oui, non, là, c'était cul-de-sac. Alors, territoire des anciens. Ça y est. Là, il y a le barrage au niveau des technologies. Ouais. Là, on entre dans un territoire sacré. Oula. Mince. C'est pas ce que je voulais faire. Mais comment je fais mon... Ah, c'est comme ça. La lumière... que là j'en ai peut-être pas besoin, je sais plus. Est-ce qu'on avait tout fait? On n'était peut-être pas allé par là-bas, je sais plus du tout. Bah si, c'est là où il y avait la ville, je crois.
Oui, bon app, bonne soirée, Slayer Douglas. Bonne continuation à toi. Merci tout plein, bisous, à plus. Oh la vache. Excusez-moi du peu, mais j'ai beau y revenir une seconde fois, ça me fait toujours autant d'effet. Hein. Ça a de la gueule. Ça, on jette. Alors, je me répète, mais merci de votre indulgence. Mon ordi est pas surpuissant et le jeu est en cours de développement, donc ça. On est peut-être loin encore. Message de FunFan 1992. J'ai rajouté un nouveau personnage dans l'univers FunFan, Liotech. C'est celui qui fabrique les inventions de Docteur Boutique, qui sont subventionnées par Saint-Nicolas Sarkozy. N'importe quoi. C'est bien, t'es en grande forme. Ouïouïouï. Du coup, tu m'as bien coupé la chic. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc le jeu est en cours de développement et qui reflète pas la qualité finale qui pourrait prétendre avoir, et à mon avis, la barre sera haute. Et savoir que là, ça met mon ordi sur les genoux, puisque j'ai pas un super ordi de compète. Mais je vais être sûr de rien avoir oublié. C'était quoi? Ah oui, c'était la sphère là-bas. Je crois. Hein. Comment ça qu'il n'aura jamais? Parle pas de malheur là, Jed. Ah oui, alors ça, c'est énigmatique. C'est beau. Vous voyez le plan là? J'ai l'impression qu'on est dans un jeu totalement contemplatif, façon Journée ou je sais plus les autres. Enfin, vraiment du contemplatif, contemplatif. Bon, là, c'est les limbes. Faut pas que je me laisse tomber. Oh la vache. Niveau de nourriture bas. Ah oui, contemplatif, oui. Le fait de contempler. Oui, ça, je l'avais lu, ça. Je l'avais lu. Et j'ai des coordonnées. Là, par exemple, je suis à 45 de profondeur. Va falloir faire des recherches. Et là-bas, sur ce toit. Attendez, on va y retourner quand même. Qu'est-ce qu'il y a sur ce toit? Je sais plus. Il y avait un message, je crois. Ah oui, il y avait des coordonnées. Et il y avait une clé. Je les ai prises, ouais, c'est les dernières coordonnées que j'ai prises. Oui, bon, ouvrir l'hôtel, oui, non, c'est bon. Ouais. Attends, 100, 109, ça fait assez haut, là. On est à 28 d'altitude. Bizarre. Là où je suis, est-ce que ça correspond à des coordonnées qu'on m'aurait données? Non. Non, 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 je suis à un endroit, j'ai envie de vous dire, non répertorié. C'est intriguant. Si je passe par là, je meurs ou... Non, ça va. Le jeu est indulgent. Ça aurait pu mal se terminer, mais non, ça va. L'eau commence à manquer, moi, de mon côté. L'oxygène aussi. Et l'autre porte, c'était dans la grotte champignon aussi. Ouais, qu'on y retourne, que je sois certain qu'on ait vraiment pris tous les...
tous les passages. Bah, même la bouffe, tiens, je peux la prendre. Aïe, 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 aïe. Bon, la logique veut qu'au niveau de la civilisation, les gars soient à peu près de notre gabarit. Hein. Vu les portes, les corridors, c'est pas des nains, c'est pas des géants. Et là, je crois que je suis pas allé. Non. Ah bah si, il y avait... Mais si, c'était la première clé. Et il y avait des coordonnées ici ou pas? Non, il y avait rien. Il y avait rien. Oh, c'est classe. C'est classe. Je me méfie, hein, parce qu'il y a un passage que j'ai pas vu entre les colonnes. Elles s'enchaînent tellement les unes derrière les autres. Tuc, 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 tuc. En fait, on va se rendre compte à la fin que la planète est vachement poreuse. Pour pas dire creuse. Et il y a plein de choses à visiter sous la croûte de la planète. Bon, comme elle est réputée violente avec ses astéroïdes, ses pluies d'astéroïdes couramment, enfin régulièrement à la surface, vaut mieux aller se planquer dans son terrier. Oups là. Ah, c'est même d'ailleurs le côté opposé de la fameuse porte. Qui est craquelée, là, on dirait presque de la terre cuite. Et si je reprends la clé, ça se referme? Ah non, c'est verrouillé. C'est verrouillé, on peut pas revenir en arrière. C'est intéressant. C'est beau, regardez-moi ça. Rigolo, il y a des petits pixels lumineux qui émanent du dispositif. Trop bien. Alors, blablabla, l'univers prend forme, blablabla. La Jet dit, son graphisme date de 10 ans, on dirait des Empyrion des débuts et moins fourni. J'attends des modules de terraformation sur Empyrion, mais ça viendra jamais. Oh, il ne faut jamais dire jamais. Merde, je suis en train de m'encastrer, moi. Je suis en train de me perdre aussi. Ah oui, j'ai retrouvé ma technologie de... Attends, voilà, attends, il y a là, et il y a dans l'intérieur de la grotte, à l'opposé, il y a quoi? Ça, j'avais pris, je crois. Oui, bon, j'avais de la flotte. Merde, oxygène déjà bas. Oh. J'en consomme de l'oxygène, ça fait peur. Allez, courage, fuyons! Alors, mon orchidée noire, je l'ai retrouvée, oui, ou crotte? Attends, là, il y a pas mal de verdure. J'ai failli dire d'ouverture. Ça pousse, ça pousse. Ah. Cobalt, ça se refuse pas. Oh, ah, la v'là. Oh, bonjour, Saul Goodman. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, merci pour les 100 bits. Ça, c'est gentil. Voilà, ça, c'est nouveau. Plante Volnus, la v'là, mon orchidée noire. Ça, j'avais pas en labo. Celle-là, elle est naturelle. Ça vient de sortir. Multiplicateur d'oxygène 500%. Ça, c'est tout nouveau, ça. La classe. Je vais la ramener dans la base. Bel échantillon. Ouais, ça va bien. Ouais, bah ça va. Écoute, j'ai encore un peu les bronches et le nez pris, mais bon. C'est moi qui fais la bêtise de mal me soigner. Et d'avoir fait le pari de l'automédic... Médic...
médicamentation. Pourquoi je peux pas le... Ah. Oula, il y a un bug. Merci de ta générosité. Dans la cagnotte, la chaîne file la colonie. Grâce à toi, le serveur. Minecraft sera financé ainsi que plein d'autres choses. Joyeusement partagé. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci, c'est très gentil, Saul Goodman. Oui, donc à part les bronches et un peu le nez pris, parce que... voilà, je suis resté au chaud, puis il me restait des médocs pour me soigner. Alors je vais beaucoup mieux. Ouais, l'accent anglais est terrible. Je vais beaucoup mieux, j'étais pas frais la semaine dernière, mais je traîne un petit fond si tu veux. Mais... ça va s'estomper jour après jour. Je me fais pas de soucis là-dessus et je me réjouis que toi tu ailles bien, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, bah je l'ai retrouvé mon orchidée noire. Au moins un échantillon. Déjà oxygène bas. Oh là 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 là. Faut que je retourne à la base. Critique. J'ai l'impression que mon perso consomme davantage d'oxygène. C'est moi ou... Ah, oh, c'était chaud. Alors, les graines. Non, pas les graines. Là, c'est carrément les plantes. Oui, végétaux. Sauf que j'ai plus de place dans les armoires. Ah si, un peu. Ouais, je l'avais pas celle-là, la Volnus. Je crois pas, hein. Elle me dit rien, la Volnus. Donc c'est cool qu'elle ait naturellement poussé à la surface de la planète, dans le désert. Tiens, d'ailleurs, les écorces d'arbres ne devraient pas être là. Les écorces, je les range là-bas maintenant. J'ai deux armoires dédiées aux écorces qui me serviront plus tard. On va aller voir rapidement. Cobalt. Oui, si j'en ai un peu du cobalt, je vais me refaire de l'oxygène. Attendez, on va aller au sommet de mon truc et après on va faire les coordonnées. On va essayer de comprendre les coordonnées, on va aller voir les quatre lieux qui nous sont suggérés. Là, ça va faire un jeu d'enquête à la surface de la planète, quelque chose de bien. Préparons l'expédition. Il me faut mon petit synthétiseur de bouteilles d'oxygène. On va à l'autre bout de la base. On va là, voilà. Voilà. Capsule d'oxygène, allons-y. Je vais m'en faire 4. On en est déjà à 2. Voilà, 4 c'est bon, j'ai rien d'autre. Donc au niveau inventaire... Ah oui, j'ai pas rangé les écorces d'arbres. Je vais peut-être prendre de la bouffe aussi. La musique magique. Ah là 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 là. Oh mon dieu! Oh, t'es adorable, Sol! Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, visiblement. Oh là 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 là! On connaît l'identité du Père Noël, hein! Il s'appelle Sol Goodman. Oh, t'es adorable! Merci tout plein, va pas te ruiner! Aïe, 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 aïe. Tu sais que le plus important, c'est l'essentiel, c'est la présence et le fait qu'on partage des bons moments ensemble. Ah là 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 là. Oui, le Père Soël, ouais.
Merci tout plein. Oh mon Dieu. Oh, des fortunes que tu dépenses. Mais Waouh, j'ai merci. tout un lot Oui. d'abonnements qui vient d'être offert. Alors attention à vos sous, mais merci pour cette générosité. Des bisous, des bisous. Effectivement, je te cacherai pas que ça fait vachement plaisir, mais waouh. Voilà. Tout est dans le waouh parce que merci tout plein. Alors attends que je nomme les comme une cérémonie officielle du genre Oscar les heureux bénéficiaires de ta grande générosité. Alors, ah non, je disais 11 parce qu'en fait j'avais un message dans ma mon interface qui me résumait en fait l'arrivée des 10 et j'ai cru qu'il y avait 11, j'ai compté les lignes à une couleur spéciale d'événement. Alors, tu as régalé Boson, Ronnie, Olive qui tue, Askar Kapak, Twinsen, Récif. Oh, Récif, j'espère qu'il va bien. Il bosse depuis plusieurs mois, on le voit plus sur sa chaîne ni ailleurs, j'ai envie de dire. Parfois un peu chez Aeroster, mais Récif est adorable. Gros bisous à lui. Je lui ai pas écrit pour les fêtes, pas bien. Faudra que je lui écrive un mot dans les prochaines heures à Récif. Il est adorable ce garçon. Tu as donc offert un abonnement à Récif, à Aeroster aussi, Petit Seb Live, Edge Club, alors Edge il va être content, c'est le Benjamin de la troupe, et Undael. Eh ben. Ah, fun fan, tu me dis que Récif a fait un direct il n'y a pas longtemps. Ah ouais! Bah il est. Ou alors j'étais pas devant mon ordi, mais j'ai pas eu la notif. J'ai pas vu que Récif était. À l'occasion, quand je peux voir Recife sur sa chaîne, j'adore. Il est adorable ce garçon. Il est baba cool. Il est drôle. Il a beaucoup d'humour. Bref, merci tout plein. C'est adorable. Je vais revenir à mon à mon enquête dans le jeu. Alors, buvons un coup. Mon perso a soif. Oui, les écorces d'arbres. Falloir que je range les écorces d'arbres et je vais essayer de me faire davantage de bonbonnes d'oxygène. Je vais m'en faire, ouais, 4. Je vais essayer de. Je vise large au niveau de l'oxygène. Je veux pas mourir bêtement comme un caca. Pourquoi? Parce que j'ai du mal à m'accaparer le système de coordonnées géographiques du jeu. J'ai un synthétiseur au bout du couloir là. Si je pouvais essayer de localiser en une seule traite les quatre lieux, ce serait bien. Ah, tu t'es pris ton propre abonnement. Merci Sol, merci tout plein. Ah là là. Bah oui. Oui, bah, je suis content que tu apprécies les emotes, Saul. Oui, en général, j'avais remarqué que j'avais un bon retour sur ce que j'avais dessiné au niveau des émoticônes. Je suis bien content qu'elles vous plaisent. C'est cool. Alors, les coordonnées. Les coordonnées, j'essaye de comprendre. Alors déjà, le gars qui m'a envoyé le message qui m'a dit, essaye d'aller à moins 248. Alors là, je suis à 1000. Donc Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci, Merci bisous, et bisous. Bisous. Merci, Merci et bisous. bisous. Merci et bisous. Là, je suis à 600 au niveau des coordonnées. J'ai l'impression que Ridley me donnait les coordonnées de la grotte champignon. Celle qu'on connaît bien maintenant. Là, je suis à 400. Il faut que j'essaye d'aller à moins 250. Alors, attendez, on va passer par la grotte pour aller au-delà. On va d'abord faire les coordonnées que me donne Ridley et ensuite on fera les trois que j'ai repérés sur les piédestals des gardiens. L'ancienne civilisation.
qui serait donc hostile à l'espèce humaine, si j'ai bien compris la narration. Ah oui, je refuse pas du cobalt. Un chemin. Attendez voir que je ressorte de la grotte. Oh, c'est beau. Ah, mais il y a trop de cobalt. On a envie de tout récolter. Ouais, niveau de nourriture bas, oui, je sais. Il y a quand même un côté très excitant au développement du jeu. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il y a une nouvelle version qui est publiée, non seulement on peut rêver à des zones nouvelles, mais surtout à des nouvelles choses dans les zones déjà explorées. Donc ça permet de... Ça invite le joueur de revenir et de rebrasser tous les lieux. Alors là, le fameux cratère fumant, je suis à 0. Il m'a dit d'aller à moins 250. Entre les abscisses et les ordonnées, me demandez pas c'est lesquelles. Je me débrouille comme je peux. Bon, l'altitude, j'ai compris, c'est la valeur intermédiaire. C'est l'entre-deux. Voilà, là je suis à moins 250. Après, il m'a dit d'aller à 93. Je suis à 1100 quelque chose. 93, ce serait par là-bas. En plus, il y a la cascade magnifique. De quoi parler Ridley? Bibliothèque. Oui, bon app, à tout à l'heure, Christella. Merde, j'ai plus d'oxygène. Oula. Ah! Ah bah non, j'allais dire, j'ai... Mais non. J'allais dire, j'ai pas synthétisé le cobalt en oxygène. Mais non, c'est ce que j'ai récolté après. Ce serait par là-bas. Moins 248. Ensuite, il a dit 93. Ce serait dans le biome noir que Ridley voulait que j'aille. Ouais, moins 150. 93, ce serait là. Bah oui, c'est l'entrée du... Bah oui, c'est l'entrée de la grotte champignon. C'est ça que Ridley voulait m'indiquer. Donc, c'est bien, on va en profiter pour retourner dans le temple où il y avait un truc qu'on n'a pas... Je crois qu'on n'avait pas pris une intersection. Voilà. Ma technologie ne fonctionne plus à partir d'ici. Oh ! Junkleman. Saul Goodman qui offre un abonnement à Christella. Merci pour elle. Oui, c'est fou. Mais vraiment doucement. Mais bon. Je fais confiance à Saul pour bien gérer son budget, comme on dit. Mais c'est super gentil. T'as vraiment la main sur le cœur. Est-ce que je l'avais lu, ça? Espèce de rond pour le grand vaisseau corporel, nous sommes partis. Oui, je l'avais lu, ça. Alors, du coup, le doute s'immisce dans mon esprit. Est-ce que j'avais tout fait? Je suis pas certain. Ah oui! C'est là où j'étais tombé dans les limbes. J'avais voulu essayer d'accéder au vaisseau. Merci tout plein. Avec cet abonnement offert, tu régales doublement. C'est-à-dire que ta générosité fait que tu fais le bonheur de quelqu'un. Mais en plus, ta contribution va aller dans la cagnotte du sage, qui est finalement commune. Puisqu'elle permet de financer le serveur Minecraft, des jeux en commun, etc., etc. Merci tout plein. Des zoubis. Oui, merci. Oui, c'est beau. Voilà, un vaisseau ou toute une flotte qui n'est pas accessible. Parce que moi, mon chemin s'arrête là.
J'avais voulu voir si je pouvais faire de la lévitation, mais je suis tombé dans les limbes et je suis mort. En perdant un peu de matos, d'ailleurs, au passage. Bon, j'ai voulu jouer, j'ai perdu. Mais est-ce qu'un jour, il y aura moyen d'atteindre la flotte, là, qui est en lévitation au-dessus du vide? C'est bizarre. Pardon, je refais plein d'oxygène. C'est vraiment intriguant. C'est marrant, là, dans le dessin, on dirait un peu du Borderlands. Je trouve que c'est un peu la patte graphique du jeu Borderlands. Oh, j'essaye dans le brouillard de deviner des formes, mais... C'est là où il y a une épreuve à la Indiana Jones, vous savez, il faut avancer sur des plateformes invisibles et affronter son vertige. Oh là 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 là, je pense qu'un jour il y aura moyen de visiter ça. Ça en jette, hein. Ça en jette. C'est beau, hein. Bon, allez. On va voir les autres intersections. Que de mystère, que de mystère. Ouch. Là, 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 je me méfie de louper des trucs. Je me méfie. Et là, il y avait des coordonnées, ouais. Je les avais notées, ouais, ouais. Ça, c'était les deuxièmes coordonnées que j'avais notées. J'en ai trois. Or, celle de Ridley qui correspondent en fait à l'entrée de la grotte champignon. Là où nous sommes, finalement. Ah, par contre, désolé, mais je reste pas. Mon estomac crie famine. Peut-être à plus tard, c'est une bonne soirée. Surtout, soigne-toi vite. Oui, merci, c'est très gentil. Merci beaucoup, Saul Goodman. Bonne soirée à toi. Et à bientôt. Merci tout plein, t'es vraiment adorable. Et je ne sais plus. Je crois que c'est la... Ah, tiens. Ah bah oui, c'est la dalle que j'ai lue. Je pense pas qu'il y ait un truc au milieu que j'aurais loupé. C'est stylé, hein. C'est stylé. Non, non, maintenant je suis convaincu, je crois qu'on a tout fait là. Donc reste la grande interrogation de ce soir. Les jeux des trois coordonnées. Où est-ce que ça va nous emmener ? Ouais, là c'est verrouillé normalement. Ouais, je peux plus leur tirer, on est d'accord. Là où je suis peut-être idiot, c'est que j'ai pas repris de clés des anciens. Ouais, bon, les trucs là, je peux les laisser sur place. J'ai pas pris de clés des anciens. Alors si les coordonnées donnent sur d'autres bâtisses. J'ai pas les clés. J'ai gardé dans ma base. Ah, je sais pas si tu nous écoutes encore, Saul Goodman. Il y a Ronnie. Bonsoir, Ronnie. Ronnie qui te remercie pour l'abonnement offert que tu lui as cédé. Merci pour Ronnie. Oula, la grosse mise à jour de Subnautica a foutu le bordel. Ma carte graphique monte à 80 degrés. Oula. Va pas faire flamber ton matos, malheureux. Surtout qu'on est en hiver. Alors, ça aurait été en été, qu'est-ce que ça aurait donné? Vous, Doudou. Va peut-être falloir voir les options graphiques au rabais, mon cher Ledged. Va pas bousiller ton matos. Prudence et prudence. Ah, c'est du fer, d'accord. Et là, je suis à moins 5, d'accord. Je suis sous le niveau de la mer théorique. Ok. Au centre de la grotte.
carte. Je crois pas avoir bien exploré. Ouais, il y a des trucs intéressants. Super alliage, ouais, c'est vrai que c'est rare. Super alliage, je veux bien le prendre. Oh le bordel. Là, c'est des coordonnées que j'avais notées. Ouais, c'était les premières. Ah, mais il y a une clé à mettre, en fait. Ou c'est une clé à prendre. Il va pas me dire que ça ouvre quelque chose avec l'arbre, si. Bon, on va retourner à la base, on va aller chercher les clés des anciens, des gardiens. C'est trop bizarre. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Quel idiot je fais. Que de mystère. On va s'échapper par le trou de souris. Voilà, la balise, elle est là. Ouais. Ça correspond aux coordonnées que m'avait donné visiblement Ridley. Par message. Oui, par où rentrer? Tous les chemins mènent à Rome, mais... Le voyage peut être périlleux en fonction de là où on décide. Oh là, je résiste pas à prendre du cobalt. Le cobalt, c'est l'oxygène. Ah, on en veut. Oh, c'est beau. Je suis un idiot. Je me dirige vers un cul-de-sac. Il faut que je revienne effectivement dans le... Bah merde. Oh, oxygène. Faut que je revienne dans le cratère de soufre là où c'est... Il y a le météore et que c'est tout jaune. Pareil, la cascade, faudra qu'on la fasse aussi. La cascade cache peut-être quelque chose. Un sac de cul, oui. Petit passage Noël, rebonsoir. Ah, Nayonet. Alors, je suis coincé. C'est vite dit de dire que je suis coincé. Disons que j'ai eu l'indélicatesse de partir en exploration sur des coordonnées que je dois trouver. J'ai 3 sites à trouver via des coordonnées. Et l'imbécile que je suis a oublié de prendre les clés d'accès. De déverrouillage de la technologie dite des gardiens. Donc faut que je retourne à ma base, remettre la main sur les clés que j'avais extraites précédemment, afin de poursuivre l'exploration et la découverte avec vous. Ça a de la gueule. Le fait qu'il y ait une lumière artificielle ici, là, de magie du démon, ça a vraiment de la gueule. C'est stylé. Mais de toute façon, ce soir, ça va être une succession d'allers-retours. C'est ça, j'ai oublié les clés de bagnole, on peut dire ça comme ça. Vous allez voir que je vais pas sortir par là où il faut de la grotte. Et que je vais encore me planter. Non, ça va, je vois à peu près où je suis. Ouh! Voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, c'est beau. Évidemment, alors là on est dans le cratère de soufre. Évidemment, ce sera l'occasion rêvée, le retour à la base pour moi, de transformer ma récolte de cobalt une nouvelle fois en bonbonne d'oxygène. Ce qui va me permettre de jouer les prolongations en sortie extérieure et en exploration avec vous. C'est tout bénef. Franchement, le coup de la liane principale et de pouvoir l'escalader, c'est trop stylé, quoi. D'avoir une pépinière privative, en plus, ça débouche sur une vue sur la plaine magnifique. C'est du génie. D'un point de vue artistique, il n'y a rien à redire, c'est superbe. Très bien pensé de la part des concepteurs.
Voilà, homme suit homme. On va dire que ça aura été la première manche. Les fameuses clés que j'ai oubliées, elles sont dans ce précieux coffre. Que j'ai même pas nommé. Les voilà, les clés des gardiens. Voilà, je vais les prendre sur moi, on sait jamais. Évidemment, pendant ce temps, la terraformation court toujours. C'est ça qui est beau. Merde, inventaire plein. Oups. Oups, oups, oups. Oui, je vais peut-être manger un petit morceau, du coup. Hop là. Ah oui, Edge of Empire, oui, entre vous, Funfan et Nayonet. Ah oui, profitez. Vous avez bien raison. Moi, je vous rappelle que c'est aux alentours de 22h30 que j'arrêterai ma diffusion parce que... malheureusement, demain, j'ai un enterrement. J'ai un copain, un bon vieux copain, ancien collègue de boulot avant qu'il arrive à la retraite, qui a perdu sa maman. Et évidemment, je vais l'accompagner dans la douleur. Et dur, quoi. Donc... Ah là 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 là, j'espère qu'il n'est pas trop affecté. Enfin bon, c'est la vie. Super alliage, clac clac clac. Oui, bah je vais partir avec ça, je vais peut-être prendre un petit peu de flotte encore. Bah, attends, je vais boire un coup et hop, je vais reprendre... Oui, c'est pas grave, au pire, je pourrais, entre guillemets, jeter. Alors, c'est reparti pour un tour. On va aller dans la dite grotte. On va peut-être passer par un autre endroit, tiens. On va varier les plaisirs. On va repasser par le lac. J'essaie d'éviter de prendre toujours les mêmes chemins. Au moins, le côté contemplatif sera respecté ce soir. Et le jeu, que je rappelle, est en cours de développement, il est dans sa version 0.6 en gros. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai spécifié dans mon habillage de chaîne. Il est magnifique. Il est bon, il y a du gros clipping, hein, vous l'aurez convenu, mais bon. À terme, ça va être optimisé. Et je rappelle que ma bécane n'est pas puissante. Je me demande d'ailleurs si je joue pas avec les options minimales. Pour dire, pousser à bout, ça va être une claque. Ça va être un tableau vivant, ce chef-d'œuvre. La la li la lou. On voit qu'il y a des microclimats, des biomes. On change d'atmosphère assez rapidement. Youhou! Il y a un effet assez grisant dans les grottes à se propulser comme ça, vite. Bon, ça, c'est un restant de glace qui a fondu. Oui. Alors, la grotte champignon, elle est par là-bas. Là, on est proche du site du premier mec qui s'est écrasé par rapport à la... au système pénitentiaire intergalactique, là. Oui, c'est à l'autre bout qu'il y a l'entrée de la... De la grotte champignon. Il y avait une entrée qui était par là, je crois. Au pire, je reprends ma balise. Oh, cette atmosphère. Ouais, non, j'ai dû louper la deuxième entrée. C'est pas grave, je vais prendre ma balise, au moins je serai pas... C'est un caillou? Ah, ça m'intriguait. De loin, ça m'intriguait, je me disais, merde, je suis passé à côté d'un truc. Il y a même de l'herbe là. Oh, c'est-il pas beau. Ah,
Alors ça peut paraître idiot, mais on a quand même vite fait de se perdre hein, sur cette planète. Elle peut être traître au niveau de... De certains endroits, on peut s'y fourvoyer. Alors, oxygène, hop là, voilà, on n'en parle plus. La formation rocheuse, c'est une des entrées, oui, c'est ça. Voilà, il y a ma balise qui était là. Alors, la question est... L'îlot central avec le grand arbre champignon, j'ai un doute. Est-ce que c'est à l'endroit qu'on trouve la première clé pour ouvrir les accès? Ou est-ce qu'il faut bel et bien disposer sur l'hôtel des gardiens une clé? Non? Ah non, je peux la reprendre. Non, non, c'est là où j'avais trouvé la première... le premier artefact, en fait. De clé. Donc ça sert à rien, mon truc. C'est pas grave. On va faire les dites coordonnées. Alors là, est-ce que ça correspond? Oui, j'ai quelque chose qui est à moins 400. Surtout en profondeur moins 40. Et j'y suis à moins 40. Donc ça doit être dans cette grotte qu'il y a un truc particulier. Est-ce que c'est pas l'entrée de tout à l'heure? Faut que j'essaye d'aller à moins 464. Là, je suis à moins 300. Attendez. Moins 497. Ce serait par là-bas. Ah, cocotte minute. Tu te fais un truc à côté. Ah, bah, ce serait l'entrée là, en fait. Le moins 146, 40, 97. Oui, c'est ça. Les premières coordonnées, là... Ça correspond à ce qu'on a à l'écran, la porte là. Donc ça c'est fait. Je vais me noter comme quoi je l'ai fait, explorer. Je vais marquer EXP pour explorer. Donc ça c'est fait, EXP, nickel. J'aurai deux autres sites que j'aurais pas fait, des gardiens. Oh, bah l'un des sites doit correspondre à la... sans le savoir, là où on était, la grande porte précédemment, près de ma base. Ça voudrait dire qu'il y a un troisième site que je ne connais pas. On va procéder par élimination. On va retourner sur l'autre site des gardiens. Ceci explique cela. Par contre, il y a une coordonnée qui m'intrigue. C'est le troisième site qui parle d'une altitude de 109 au-dessus de la mer. Donc, il y aurait un endroit haut perché où on n'aurait pas repéré de structure des gardiens. C'est assez flippant. Ouais, bon, on va ressortir par là où on est rentré, en fait. Oxygène, une nouvelle fois. Qui que quoi? Les coordonnées, c'est là où il a planqué son or, le sage. N'importe quoi. Ledget qui dit, tous les jeux qui font des mises à jour graphiques font monter en température ma 2600. Ah oui, ta carte graphique, ouais. Oui, d'ailleurs, la fois où j'ai arrêté de jouer à Seventh Day to Die, je vous recommande, pour ceux qui aiment les assemblages à la Minecraft... Et les univers post-apocalyptiques zombies, façon un peu The Last of Us, un excellent jeu en cours de développement depuis des années, et à mon avis pour encore des années, tant il est ambitieux. Seven Days to Die, il est extra, mais chronophage. Dans ses premières versions, quand j'ai voulu y jouer, je me suis laissé complètement happer. Je m'étais réservé un week-end pour m'amuser du matin au soir, 2-3 jours de mes vacances. J'y ai passé mes 15 jours de vacances. J'arrivais plus à décrocher. Parce que c'est généré de manière...
Merde, je retiens jamais le terme. C'est généré de manière procédurale, bien qu'il existe une carte modélisée à la main, même peut-être plusieurs aujourd'hui. Ça fait des années maintenant que j'ai pu jouer à Seven Days to Die, ça fait 2-3 ans. La dernière fois que j'y avais joué et que j'avais dû m'arrêter d'y jouer, c'est parce que la mise à jour graphique était tellement grosse que ma carte suivait plus, mon ordi était en PLS. Et c'est pas plus mal, ça m'a désinhibé du jeu, et sans quoi, sans déconner, j'aurais continué, mais... C'est, d'ailleurs, je finis par avoir une peur, c'est de retomber dans l'engrenage de Seven Days to Die. Il est tellement prenant que... faudra que je prenne mes dispositions la prochaine fois que je redécouvrirai les... Pardon. De prochaine fois que je découvrirai les nouvelles versions. Voilà. Oh! Encore une plante Volnus. Oh, c'est beau. Attendez, pardon, je me mouchais là du coup. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. Un peu de pudeur, je vous prie. Oui, j'ai vu le décès de Linda de Souza tout à l'heure dans la presse, ouais. Paix à son âme. Alors, Linda de Souza, il faut pas confondre avec la chanteuse dance des années 90, Corona, qui faisait The Rhythm of the Night, oh yeah, qui, de son vrai nom, s'appelait Linda Olga de Souza. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a pris le pseudo nom d'artiste Corona pour pas être confondue avec elle. Elles ont pas de lien de parenté, mais elles avaient une quasi-homonymie, à part que Corona, elle avait que Olga comme deuxième prénom, qui la distinguait de la première. Merde, je veux pas retourner à la base, je veux retourner au site des anciens et reprendre les coordonnées. C'était plus haut en haut. Flowers are beautiful. Ah, nous dit Nayonet. Oui, les fleurs sont belles. Oh, fun fan. Corona était un groupe avant d'être un virus. Oh mon dieu, dur. C'est vrai en plus. Alors, les coordonnées de la porte. Ladite porte, ça doit correspondre à l'une des deux coordonnées qui me reste. Enfin, jeu de coordonnées. Putain, il y a même des végétaux dans la grotte. Alors, 938, 67... Ouais, c'est les deuxièmes. Donc, on connaît bien le deuxième site, c'est ça, là où je suis. Je vais noter aussi qu'on a exploré. Par contre... Le troisième site qui est au perché là, qui m'intrigue avec 109 en coordonnées d'altitude, on le connaît pas. Nous allons donc le chercher maintenant. Ah ah! Il doit y avoir une nouvelle structure à mon avis sur les hauteurs parce que 109 d'altitude, là on est à 70 d'altitude. Alors, il faudrait que j'aille vers 1500. 1500, ce serait par là-bas. Là, je suis à 1200. Il y aura un truc par là-haut. 1565. On va pousser vers les 1600. Là, je suis à 1450. 1550, voilà, c'est quelque part par là. Ensuite, je suis à 1700 et quelques, il dit 2500. Non, merde, c'est par là-bas. Donc, il y a une construction des gardiens dans la formation rocheuse qui nous fait face. Il y a quelque chose là-bas. Le paysage est magnifique. Là, on va découvrir... Il y a un truc dans le secteur.
Là, peut-être, on dirait une grotte. On dirait une grotte. Attends, oxygène, encore une fois. Attendez, 1500, là je suis à 1600 apparemment. Non, 1500 ce serait par là-bas. Il y a une structure dans le coin. Où est-ce que c'est planqué? 1565 de 1500. Ah, ce serait plus en hauteur. Ce serait là? On dirait presque des menhirs, mais en énorme. L'altitude correspond, ouais, 110. On doit être tout proche. On doit être tout proche de la structure. Oh, qu'est-ce qu'on nous réserve comme surprise? Là, je pense que je m'éloigne. Non, je m'éloigne. Il y a une structure intelligente dans le coin. Il y a du bâti quelque part. On va faire le tour, mais par l'autre côté. Suspense. Oh, un végétal à récolter. Encore de la Volnus. Elle est belle, hein? Espèce d'orchidée noire. Elle est stylée. Hein. Deuxième échantillon de la promenade. Bien. Bien, bien, bien. Plus le temps va passer, plus la planète va être terraformatée. Et plus on aura de surprises. Oui, ça on l'avait vu, c'est une ressource rare qu'est le zéolite. Mais pour le moment, je m'en sers pas, donc je laisse sur place. Je crois que j'avais déjà découvert par le passé ce coffre. Serait-ce par là? Ça semble presque taillé ici. Les coordonnées correspondent presque. Au sommet? Non. Ici? Je suis en train de tourner autour du pot. L'entrée est peut-être à une altitude intermédiaire au niveau de la... Au niveau de la falaise. Ah bah! Voilà l'hôtel des gardiens. Mais je comprends pas. Il n'y a pas de porte apparente. Que signifie? Attendez, je mange un coup. On est d'accord, il n'y a pas de porte. Vous voyez une porte, vous? C'est beau! Je me désaltère le temps d'admirer. C'est magnifique. Ce suspense. Il y a peut-être quelque chose qui va émerger du sol, non? Bizarre. Pas d'inscription? Non. Il n'y a pas d'inscription. Bon, bah je vais déclencher à mes risques et périls. Ah, il faut les trois! Ok. Oh la vache.
Oui, on va attendre un peu que la poussière se dissipe. Quoi de mieux que d'utiliser le relief lui-même pour... Mais et, techniquement, ils sont balèzes parce que... Oh la vache. Carrément les trois. Pardon. La puissance du dispositif... Bah, sans le savoir, on a gardé le meilleur pour la fin. Oh. Y a rien sur les côtés? Je vais rien me prendre dans la tronche? On sait jamais. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en ai des frissons. Sans déconner. Hein. J'en ai des frissons. C'est beau. Oh là là. J'ai envie de m'approcher des végétaux. On dirait un peu de l'écorce pierre. C'est... Mince, pardon, attendez, je prends de l'oxygène. Là. Je vais me prendre de l'eau, allez hop. Ah, un peu de rouge. Ma couleur favorite, hein, je rappelle, c'est le rouge. Donc je vais pas m'en plaindre. Ah, c'est... Ouais, c'est de la végétation, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Oh là là, petite pépinière. Ça a l'air vachement profond. Apparemment la glace, elle a pas fondu. Il fait pas assez chaud, je suis pas assez avancé dans mon ma terraformation pour que... Encore que si, je peux peut-être escalader le... Ça fond à combien? Ah, fondre à 2 giga TI. Et je suis à 1 giga TI presque, à la moitié de la terraformation. Je sais pas si je peux forcer la main, je crois pas. J'essaye d'escalader, hein, mais... Le jeu est tolérant. Le jeu est tolérant, on peut continuer. C'est beau. Bon, je présume que quand le jeu va sortir, les développeurs... Alors, j'ai mis une hypothèse, je suis pas dans le secret. Hein. Je tiens à spécifier que je fais pas partie de l'équipe de développement du jeu. Je suis en totale découverte. De ce qui est pour moi un pur chef-d'œuvre. J'émets l'hypothèse que lorsque les développeurs sortiront la version finale, du moins la version totale 1.0, ils seront moins indulgents au niveau des portes de glace et ils vont peut-être faire en sorte qu'elles fondent un peu moins vite, histoire de faire durer le plaisir, quoi. Je présume, hein. Je ne suis pas dans le secret. C'est beau. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Oh, ça a de la gueule. Oh, on a l'impression d'être sur une autre planète. Oh, t'as envie de chanter Oasis, Oasis, oh, Oasis, 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 ça. Oh. Et dire que tout ça pourrait s'animer de vie, de... Avec de la faune bientôt. Oh là là. Ancien Paradise. Je viens de déverrouiller un succès. Ancien paradis. Alors que je suis complètement dans la végétation. Ah, tu m'étonnes qu'ils ont cherché à protéger ce trésor. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est... Bah oui, c'est un arbre qui fusionne avec un... Oh! Wouah! Ok! Il y a carrément une ville qui est modélisée.
Wouah! Eh ben, on n'a pas perdu notre soirée, les copains. Oh là là! Je sais plus où mettre les pieds. Ah oui, ici. Oui, pareil, on voit un peu des lignes de jonction de texture. Ça, il fait nul doute que ça va être corrigé et peaufiné à l'avenir. C'est dingue, hein. C'est dingue. Même mon ordi, on voit, il n'arrive pas à tout calculer en même temps. Là, il y a trop d'éléments graphiques. Pardon si ça fait un peu tâche, mais... Et encore, j'arrive à vous délivrer du 30 images secondes, mais moi de mon côté, j'ai aussi entre 40 et 60 images. Oh, attendez, il y a un truc en pierre, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sors déjà du chemin principal, parce qu'il y a des curiosités partout. Oh, c'est beau. Oh, c'est magique. J'adore. J'adore l'atmosphère. Trop bien. Oh, la belle planque. La planque parfaite ici. C'est mieux qu'au Vietnam. Avec un bon camouflage, il n'y a personne qui viendra te déterrer, te débusquer. Oh, regardez-moi ça. Presque des trèfles à trois feuilles géants. Oh là là. Ça, on dirait presque du rondon dindron. Oh, des roseaux. Oh, stylé. Oh, il y a un chemin. Je sais plus par où aller. Attendez. Attendez, oui, je peux sauter. Oula, oula. On pourrait presque croire qu'on est dans Myst. Non, je peux pas. J'ai plus ma technologie, là. Je suis neutralisé. Ah, là, je peux y aller. C'est pas évident de faire des cabrioles. Je sais pas s'il y a vraiment grand intérêt, parce que c'est effondré en partie. Oula, je suis tombé. Oh, c'est quoi, ça? Ah, hôtel des gardiens. Des coordonnées? Non, il n'y a pas de message. Non, il n'y a pas de message. Tac. Merde, il y a une tempête qui va... Ah! On voit plus rien. Au secours. Ouh là là. La roue est encore en mouvement. Donc je me méfie de la roue en mouvement parce que... Il y a peut-être des mécanismes qui sont encore opérationnels et je pourrais être déclaré comme étant hostile. Alors si c'est pour me faire allumer à l'intérieur par des automates ou je sais pas quoi... Prudence. Merde, oxygène. Attendez. Il y a une suite au chemin ou pas? Non. Alors ça, pour une surprise, c'en est une. Wouah. Oh, c'est beau. Ici, les murs sont peints. Dans les premiers sites, les couleurs étaient délavées. Ici, c'est en or et en lapis-lazuli, là. D'un bleu marine bien... Oh, c'est bluffant. Oh, c'est majestueux. L'obélisque, il y a peut-être quelque chose à lire, non? Oh là 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 là. Wow. On reverra le pied de l'édifice plus tard avec les jeux de... Enfin, je dis ça, je sais même pas si on pourra entrer à l'intérieur. Non, peut-être pas. Non, c'est sacré, on n'a pas le droit. Ah! Tch. Hôtel des... Oh! Il en faut 5! Oh la vache! Alors, autrefois nous vivions un gardien. Ah, c'est un peu court.
Ah bah tu m'étonnes que vous viviez. Ah ah ah, on voit qu'il y a un truc derrière. Oh merde. J'ai pas les autres clés. Hein. On voit qu'il y a quelque chose derrière. Ou alors les clés sont planquées dans le décor et faut monter et faire le... On va y aller. On va la tenter. Oh là là. Oh la classe. C'est quoi en rose? C'est du textile ou c'est des végétaux? Non, c'est des végétaux en rose. Oh. Ah. Est-ce que j'ai des coordonnées? Non. Je me méfie. Attendez, c'est tellement beau que je vais faire une pause et sans déconner, je vais ressuyer mes lunettes. C'est tellement classe que je veux voir avec mes yeux bien... Mes carreaux de lunettes bien décrassés là, parce que j'ai même l'impression de voir flou. Et encore, je sais pas. Oh, ça va, c'est correct. Mais bon, c'est toujours ça de prix de mettre un petit coup sur mes carreaux de lunettes. C'est superbe, c'est d'une poésie. Oh là 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 là. Oups, oh mince. Oui. J'ai plutôt la sensation maladroite d'avoir tartiné ma... sur les carreaux de lunettes. Burke, caca Burke. Voilà. Oui, là, je verrai mieux. Merde, oxygène. Ah ! Non ! Oula, pas que je meure. Après tous ces épisodes. Ah ! Je vais tomber, moi, au secours. Alors attendez, attendez, attendez. On va descendre dans l'escalier. Mais au bout du balcon, il y a quoi? Ah! Mais c'est pas fini! Ce n'est pas fini! Oui, oui, oui! Mais où allons-nous? Oh, c'est stylé! Oasis, 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 oasis. Ah, je ne sais plus où mettre mes yeux. C'est vous dire. Ah, ça c'est vicieux ça. Oula, j'ai l'ordi qui... Il a du mal à prendre en considération toutes les textures. Ah, c'est un peu le schéma de l'autre bâtisse à peu près. À peu près au niveau du cheminement de palissade. C'est beau. Oh, c'est beau. Oh mon dieu. Alors là c'est moi, mon ordi RAM. C'est comme si les bâtiments reprenaient vie, ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors là, je vous avoue, mon ordi RAM, il peut me faire du 3 images secondes. Il y a trop de textures à gérer en une seule fois. Faut que je me méfie de certains plans de caméra, ça demande trop de puissance. Oh là là. Là, il y a une coupole de je sais pas quoi. Ah, on est proche de la roue. On est proche de la roue. Oh yeah. Montez. Non, vous êtes sérieux? Attendez. Je sais plus où aller là. Je sais plus où aller, c'est énorme. Eh ben, comme... Oh, pourquoi je monte? C'est un bug? Ah oui, c'est un bug. Il y a un bug de collision. J'ai cru que j'étais soulevé par un truc. On va pas forcer, on n'est pas censé aller là. Oui, c'est des fleurs en rose, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Montez. Ah! Oh. Oh, avant de récupérer la clé... Oh, mais regardez-moi ça. Oh là là! Et dire qu'à terme, on aura peut-être des volatiles. Vous imaginez un vol de bestioles dans le ciel en même temps? La classe. Oh yo 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 yo! Oh! Ce génie.
Bon, là, je présume qu'il n'y a pas d'inscription parce que c'est casse-gueule. Alors, attendez. On prend une troisième clé. Il nous en faut 5. Il nous en faut 5 pour... Je peux... Non, je peux pas. J'ai cru que c'était une illusion d'optique au niveau des végétaux. Donc, je peux rien faire d'autre, visiblement. Alors, attends. Eau, ça va pas. Oxygène, ça va pas. Bouffe, ça va pas. Ouh. Monter, donc descendre, puisque je viens de faire l'inverse. Je pense que les clés qui manquent sont de l'autre côté. Alors, j'accélère le mouvement, c'est pas tout d'admirer, mais mes ressources sont pas illimitées. Et je me demande si je suis pas condamné à crever comme un caca ici. Parce que il me reste quoi ? 3 oxygènes, 2 eaux et un peu de bouffe. C'est l'oxygène qui va me faire défaut. Attendez, mais c'était où? Mais je deviens fou. Comment j'ai fait pour arriver là, moi? Je sais plus. Comment ai-je fait? Attendez. Il y a la liane, d'accord. J'ai escaladé la liane, mais... C'était par là-bas que je suis arrivé? Ça y est, je commence à me paumer. J'ai pas mémorisé. Ah oui, c'était sur le côté. C'était sur le côté. Oh, les fleurs sont magnifiques. Oh. Vous savez qu'on va jouer la sagesse. C'est-à-dire qu'on va rebrousser chemin. Je vais retourner à la base avec l'oxygène qui me reste parce qu'il y a du chemin à faire. On va se refaire des bouteilles d'oxygène et on va continuer l'exploration ici. J'adore les fougères. Les fougères sont extra. On va faire la suite l'autre côté juste après. J'ai pas assez d'oxygène. Je m'en voudrais de mourir comme un caca dans un si bel endroit. Ouais, faudra faire là ce que je regarde, il va falloir le faire sur le retour. Et seulement après, on va pouvoir rentrer dans les lieux. Oi, 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 oi. Ah, je m'attendais pas à une telle découverte. C'est énorme. C'est énorme. Et là, une sensation merveilleuse. Le jeu m'a donné des frissons. Des frissons de plaisir, de... C'est d'une intensité. Ça fait du bien de vivre des moments comme ça. Je suis sérieux, hein, je déconne pas. C'est comme lire un bon bouquin, là, c'est... c'est bon. Oh là là... J'espère vraiment que l'équipe de développement va travailler le côté littéraire de l'œuvre, le côté philosophique. C'est-à-dire, on est en train de bousiller notre belle planète en vrai, il faut la préserver. Attendez, oxygène. Y a vraiment de quoi... Oui, normalement j'ai retrouvé mon propulseur. Non, pas encore. Ah si, c'est bon. Ça y est. Je suis plus censuré au niveau technologique. Je peux me propulser façon Iron Man. On va retourner à la base. Je vais me refaire une flopée de bonbonnes d'oxygène. Et on va continuer l'exploration absolument démentielle. Bah vu l'heure, 21h20, oui, on a encore une bonne heure ensemble. On a encore une bonne heure ensemble. Je vais me casser la figure si je fais un saut depuis les rochers. Voilà, il faut que je suive le relief. Ouh ! Direction le losange vert. Le bercail nous attend. Oh ma zette. Oh. La version 0.6. Ah, c'est d'excellent augure pour la version finale.
J'espère que le jeu va avoir sa renommée pendant longtemps. Parce que... Waouh. C'est d'une poésie. Et plus tard, il serait même intéressant d'avoir éventuellement une interview des créateurs du jeu, savoir quelles ont été leurs inspirations. Là, on pourrait imaginer qu'il y a un peu de Dune qui est imaginé, Dune de Frank Herbert, du Stargate SG-1. Je vous ai fait la référence moi parce que le coup de la structure en arc de cercle me faisait penser à un portail, un chapaï, comme on dit dans cette fiction. Peut-être de la guerre des étoiles, peut-être d'autres œuvres de science-fiction, mais un peu de poésie, oui, c'est ça, Nayone. Ah, puis oui, c'est vrai, rappelez-le-moi si je l'oublie, il faut qu'on se quitte sur le décollage de la fusée. On peut pas se quitter sans lancer la fusée, parce qu'elle est sur le pas de tir depuis... Je ne sais plus depuis combien de parties j'ai créé cette fusée, je l'ai jamais activée. Alors, à part mes plantes à déposer, mes magnifiques volnus, je n'ai qu'à me rajouter des trucs. Je vais peut-être me reprendre un peu de bouffe et un peu de flotte aussi. Mais surtout me faire de l'oxygène. Cobalt, voilà. Merde, l'armoire est vide, bravo. Ouais, cobalt, c'est tout. Ah non, là j'ai un peu de cobalt. Oh. Ouh là là, va falloir vraiment que... Ah bah là j'ai une autre armoire. Oh si, il va falloir vraiment que je m'amuse à ça. Ah, c'est mieux. Ah oui, j'avais ramassé du super alliage. Un petit échantillon de super alliage que je peux déposer. C'est vachement pratique quand même pour tout ce qui est haute technologie. Ça ne se refuse pas. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, je vais synthétiser un max d'oxygène. Histoire que j'ai quasiment de la marge illimitée à explorer ce soir la cité qui s'offre à nous, hein, je crois qu'on peut le dire. Et... Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros. Je m'attendais à une troisième petite structure comme les deux qu'on a vues de temples assez modestes, mais alors ça. Oh, oh là 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 là, s'ils nous réservent des trucs tout aussi gros à l'avenir, le pied. Oh, je vais pas bouder mon plaisir. Allez, oh, peut-être pas que des aubergines, ouais, haricots, j'ai la faim des haricots. Dans mes apparts, bah tiens, tant que je suis là, on va se déverrouiller une technologie, une puce. Je pense qu'on a de quoi déverrouiller des nouveaux trucs. Je vais en prendre une et on va la déverrouiller ensemble. Voilà, décoder une micro-puce de plan. Non, ils ont pas amélioré les trucs, y a rien de nouveau, dommage. Ce sera peut-être pour plus tard. Je ne sais plus, de la flotte, j'avais dit de la flotte. La flotte, ça se passe par là et on va pas traîner, on va y retourner. Tellement impatient de voir ce que nous réserve le jeu. Oui, voilà, on bouffe. Allez, c'est reparti. On y retourne. Ah, oh, c'est génial. C'est génial. Ah. Je jette quand même un coup d'œil si je repasse pas à côté d'une orchidée noire. Pardon, je me mets à bâiller.
Je vais vous le respécifier tout à l'heure, mais je peux déjà vous dire que demain, il se trouve que FunFan, lui, demain, il va diffuser de 16h jusqu'en nuit de ce qu'il a annoncé. Donc moi, sachant que j'ai mon enterrement demain matin, vous ne me verrez pas. Derrière le triste enterrement, je vais en profiter pour me faire 2-3 courses et déjeuner. Et c'est sorti de table que je prendrai mon antenne sur je sais pas quoi. J'annonce rien. Je vais me faire plaisir. Ça peut être plusieurs choses. Soit je continue Sonic 2, soit je commence le Resident Evil premier du nom, mais dans la version récente. Ou autre chose, on verra. Vous aurez la surprise demain. Mais je prendrai mon antenne aux environs de midi pour la céder à 16h à FunFan, qui va enchaîner en fait de direct. Merde, je sais plus c'était où. Ah, vous allez voir que je vais pas retrouver. Non, c'était la montagne là. C'était dans les parages. Au pire, j'ai les coordonnées, mais. C'était un peu plus en altitude, je crois. Oui, il y a le dispositif, ouais, qui est là. C'était ici. Eh bien. Voilà, une fois passé la porte en glace, ouais, voilà, j'ai déjà pu, vous voyez, ça a coupé. J'ai plus les gaz de ma technologie Iron Man, là, je suis déjà sous l'influence de la technologie des gardiens qui me neutralise. Ouh ! Allez ! On va faire l'aile gauche du bâtiment, si je puis dire, enfin, vu de l'extérieur. Oh, alors que symboliquement je vais atteindre le premier giga terra unité de terraformation. Tout un symbole. Je vais sûrement d'ailleurs à cette occasion, ce palier symbolique, déverrouiller une technologie. Reste à savoir laquelle. Ah, il se met à pleuvoir. Oh là là. Alors. Commençons l'ascension. Donc il m'en faut 5 et j'ai 3. J'ai 3 clés sur 5. À mon avis, les deux autres sont sur le côté. René Chevman. Oui, les couleurs sont complètement pétées. T'as pas la berlue. C'est féerique. L'endroit est complètement féerique. Bam 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 bam. Non, faut que je passe par là. Et ça monte, oh la vache. Vision daltonien, non. Attendez, j'ai pas loupé d'intersection. Parce que là, on pourrait croire qu'il y a un balcon. Bizarre. Oi, oi, oi. Oh, oh, oh. Oh, ce spectacle. Bon, là, j'ai l'ordi qui rame. Ah, la coupole, il y a un truc. Je prends le risque de marcher sur la coupole. Vous allez voir, je vais tomber comme un caca.
Je suis dans la végétation, au secours. Non, il n'y a rien. Ah! Oh là là! Oui, on était passé par là tout à l'heure. Oh, superbe. Oui, le niveau d'oxygène qui est déjà bas. Ah! Exosquelette technologie niveau 3. Voilà ma récompense pour ce nouveau seuil de terraformation. Ah! Ah, peut-être que j'essaye de le faire tout à l'heure au retour dans la base. Enfin, si on revient de notre expédition. Je suis un peu inquiet de me dire on monte vachement et j'ai pas récolté de clés. Ah bah, voilà la quatrième sur les cinq. Voilà la quatrième sur les cinq. Où est la cinquième? Il y a peut-être une intersection, un dispositif qui m'a échappé. Mais où ça? La coupole, je peux y aller ou non, je vais me tuer si j'y vais. Je pense pas qu'il y ait un truc. On va éviter de sortir tout de suite des sentiers battus. Oups là. Oh là. J'ai des petits bugs de collision par rapport aux planches. Oh, je serais tenté d'aller là. Là, on peut pas y aller. Bizarre. J'ai dû louper un présentoir, mais où? N'hésitez pas dans le chat si vous avez vu un truc que j'ai pas. S'il y a un truc qui vous semble avoir échappé à mon attention. Mais... merde. Où est la cinquième et dernière clé qui me manque? Non, il n'y a rien dans les herbes, je pense pas. Non, je pense pas. Ah, on pourrait mettre encore des trucs. Oh! Oh! Je vais dans les interstices de l'interdit, là. Ouh là là. Ouh là là. Je suis dans la coulisse, là. J'ai pas le droit d'aller en coulisse. Faut que j'arrête. Non, c'est pas... bah merde alors. Niveau d'oxygène bas, oui, pour changer. Oh, il y a un promontoire que j'ai loupé. Ah, le v'là. En fait, il était au sol, le truc. Le voilà, celui qui nous manque. Donc, j'ai les 5 clés. Pas de coordonnées, non, rien. Ok. Et B. Sous-sol. Non, il n'y a rien. Oh, je sens qu'on se dirige vers la dernière découverte de la soirée. Mais ce qu'on aura vécu ensemble ces dernières minutes... Non mais regardez-moi ça. Oh là 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 là. J'en ai le souffle coupé. Oh là là. Qu'est-ce qui nous attend derrière cette porte ? Une soucoupe volante. Allez savoir.
Oui, ça pique les yeux. Oh mon Dieu! J'ai enclenché les 5 clés. On va attendre que la poussière se dissipe. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a derrière les murs, d'après vous? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, la poussière ne se dissipe pas. Ah si, on le voit, le sol se dessine, regardez. Il y a un long corridor qui s'offre à nous. Bon, bah on y va. Donc l'entrée, quand tu sors, ça donne ça. Ah ouais. Oh la classe. Et là, le mec exigeant, chef de communauté. Je veux la même chose demain dans Minecraft. Oh là là, ça en jette. Merde, hydratation. Oh. Miam aussi. Oh, peut-être pas tout de suite, ouais. Parce que si je prends... Bon, c'est ces clés qui se superposent. C'est stylé, ça aussi. Allez, go! On y va. Vache. Alors si en plus ils rajoutent des végétaux par intermédiaire, je risque vraiment de louper des portes sur les côtés, quoi. Ou il y a des superpositions de textures, faudra voir un peu. Enfin, c'est pas le plus urgent, mais je pense que les concepteurs, les modélisateurs pourront peaufiner dans les prochaines versions. J'avance par à-coup parce que le temps que le jeu charge les textures. Et là, un autre jardin intérieur. Oh, oui, on dirait presque une rosace. Oh, il y a des papillons. Oh, au moment où je meurs. J'ai atteint le paradis. Oh, la volière. Mais pour papillons. Et papillons, jolis papillons de ma jeunesse. Oh, c'est beau. C'est beau, hein. C'est relaxant. C'est vachement relaxant. Eh ben, si ça, c'est pas du trésor. Il y a des choses à lire ou pas? Oh la vache. Oh, le Colisée. Alors, les gravures sur pierre sont stylées, mais il n'y a pas de texte. Oh la vache. Il y a un énorme coffre. Une caisse dorée. Deux caisses dorées. Il y a une pierre à lire, une pierre gravée. Oh, les fleurs. Les fameuses fleurs qu'on voyait suspendues au niveau de la façade. Si plus tard dans la version finale ils arrivent à faire d'explorables, vous savez, les bâtiments en intérieur, il y a oh, l'imagination, c'est énorme, quoi. C'est juste énorme. Oh là là. Yes, on se lasse pas du truc. Ah, s'ils nous font d'écran, nos économiseurs d'écran sous Windows, ça avait été ça. C'est beau, on voit qu'il y en a qui se posent sur la verrière des papillons. Et certains ont une animation de pose et d'accroche. Ouh ! Ouh ! On est au bout du suspense, mais alors ? Quel suspense. Allez, on lit le message et puis on dévalise les deux coffres en or. Et là, tout s'effondre. Finale à Indiana Jones. Oh là 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 là, lire le message. Une fois de plus, une calamité s'abat sur notre peuple.
Si les prédictions sont correctes, le météore frappera la planète dans quelques jours seulement. Les villes que nous avons construites, les splendeurs que nous avons faites tomberont. Nos arts, nos traditions, nos découvertes et nos vies disparaîtront. Une fois de plus, la destruction est sur nous, mais cette fois, nous ne fuirons pas, comme nous l'avons fait il y a des générations. À quoi bon s'enfuir quand la mort vous poursuit si vigoureusement? Notre destin est accepté. Étant fiers de ce que nous étions, restez fidèles à nos valeurs. Attendez, je vais reprendre l'oxygène parce que sinon je vais crever. Je vais reprendre la bouffe. Voilà, je finis les derniers paragraphes. Donc, notre destin est accepté. Étant fiers de ce que nous étions, restez fidèles à nos valeurs. Notre histoire disparaîtra sous les cendres des flammes et de la poussière. Comme une vie de papillon, belle et évanescente, il est temps de rencontrer notre fin. Un gardien. Année inconnue. Oh. Trop bien. Alors, ça va peut-être vous paraître idiot, mais de temps en temps, quand je relancerai le jeu, je me casserai le cul de faire le chemin de ma base jusqu'à ici, rien que pour avoir le plaisir de contempler ce spectacle. C'est d'une féerie. Oh, c'est beau! Vous avez vu, quand vous êtes proche d'un papillon, il a une traînée magique derrière lui. J'ai pas rêvé. J'en ai vu un qui m'est passé sous le nez. Et il y avait comme une traînée magique derrière lui. Faudrait que je revoie au ralenti. Enfin, bon. Alors, pillons les trésors. Oula. Oulala. Larve de papillon doré. Alors ça, c'est un matériau biologique de la première importance. Multiplicateur d'insectes, 1500%. Oh. De toute façon, je reviendrai dévaliser les lieux hors antenne plus tard. Ah, j'ai une deuxième larve de papillon doré. J'ai de l'engrais, j'ai du mutagène. Ça va... Rien que le mutagène, ça va me permettre d'avoir une première manipulation, comme j'ai pas encore de méthane. Je vais pouvoir emboîter le pas dans les technologies des manipulations ADN et biologiques. Et une statuette récompense. Ah oui, la graine dorée, multiplicateur d'oxygène 600%. Ouais, c'est vachement important ça. Elles sont rares, c'est des récompenses ces plantes-là. Là, je vais les prendre toutes les deux. J'ai une tige de super alliage. Ouais, puis uranium ou iridium, ouais, ça vaut aussi son pesant de cacahuètes. De l'engrais T2. Oh la vache. Et l'autre, c'était quoi? Ouais. Oh, je reviendrai, de toute façon je reviendrai tout prendre, mais là c'est énorme. C'est énorme. Ouh. Eh ben, quelle aventure. Oh. On se fait encore une séance de papillon thérapie. Merde, oxygène. Oh. Avant d'entrer à la base. Bon, bah... Je vais presque me sentir honteux derrière ça d'activer une fusée pour la fin de la journée d'exploration d'aujourd'hui, là, dans Planète Crafter. Waouh. Ah là, mes respects. Ah là, j'ai pas boudé mon plaisir.
Je suis content de vous avoir offert ce spectacle. Oula, ça y est, ça rame à nouveau. Il y a trop d'éléments à prendre en compte. Oh là 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 là. Ah. Hop, les escaliers de côté. Énorme. Ouh. Ouais, oh, je vais passer. Je vais même voir s'il y a un fond dans le lagon, je pense pas. Non, c'est pas assez profond. Oh, oh, oh. Ah non, j'ai cru que c'était un poisson, mais non. Non, non, je me mets à rêver, c'est une émanation... C'était pas un poisson. C'était un truc qui était aérien, mais j'y ai cru un instant. Eh ben, on se retourne une dernière fois. On reviendra, hein, je vous rassure. Je referai une expédition, je sais pas quand. Peut-être la prochaine grosse version du jeu, quand les développeurs auront publié la version 0.7. Pourquoi pas? Je referai probablement une session diffusion de 3-4 heures, histoire de parler brièvement de l'avancement de la conception du jeu. Et ma progression à moi aussi dans la partie, quoi, au niveau de la terraformation. Oh, la prochaine fois, les arbres que vous voyez là, il y en aura peut-être d'autres qui seront apparus un peu partout à la surface de la planète. Au niveau végétalisation, le temps que je refasse du tri, de la gestion avec mes armoires, vous savez, tout le bazar. J'ai encore tellement de trucs à brasser, à classer, à ranger. Sans parler des manipulations génétiques qui m'attendent, là, faire de la biologie en laboratoire, dans la base. Merde, attendez, je me vautrais, là. Et puis, je vais refaire de l'oxygène et la flotte, parce que... Voilà, je devrais être peinard jusqu'à rentrer au bercail. Les eaux turquoises sont pas mal, ici. Je sais plus ce que je vous disais. Que la végétation lors de mon prochain direct sur Planet Crafter, je peux pas mettre de date, hein. J'ai pas regardé le calendrier des développeurs et je suis pas là pour leur mettre la pression. Je préfère qu'ils prennent le temps de bien faire les choses. Peut-être qu'au printemps prochain, mars, avril prochain, il y aura peut-être la version 0.7 qui sera d'ici là publiée, sinon on attendra l'été. Il y aura peut-être pas des forêts, mais ici et là il y aura peut-être des premiers bois qui seront sortis de terre. Oui, tiens, tu fais bien de me relancer dessus, j'y pensais plus du tout en parallèle. Mon cher, tu as une scène, mon avis, sur le film Seul sur Mars. Alors. Je tiens à rappeler que précédemment, quand je découvrais le jeu, Thunsen m'avait fait la remarque « Oh la vache, ton jeu, il me fait penser à un film qui est assez récent, qui s'appelle Seul sur Mars ». Je vous invite, les amateurs de science-fiction et surtout de spatial, à regarder le film. Moi, j'ai eu la chance de voir le film. Et Seul sur Mars, franchement, c'est excellent. Donc, l'intrigue est dans le titre du film, c'est-à-dire que c'est un mec, il fait partie d'une équipe d'exploration spatiale à la surface de Mars, ça tourne mal et il se retrouve tout seul. Alors, je vous divulgage pas plus le scénario du film, mais dans l'intrigue, il essaye, par instinct et intelligemment, il essaye de sauver sa peau. Quand il prend conscience qu'il se retrouve tout seul et que tous les autres ont évacué sans lui, le croyant mort, alors il fait des trucs. J'espère que vous êtes sortis de table. Attention, il fait des trucs assez dégueux, mais qui sont dans la logique de la survie. Il va dans les chiottes
de la station pour récupérer les éjections de ses anciens camarades. Mais justement, c'est plein de fertilisants, c'est plein de bactéries. Et il mélange ça à des restants de terre qu'il avait dans ses bagages de scientifiques. Et il improvise un potager sous serre, sous oxygène, avec le matos qu'il a sur place sur Mars. Et il détourne en fait ses outils de travail pour sauver sa peau. Donc il finit par faire une serre avec des pommes de terre et multiplier ses vivres en fait. Et pouvoir jouer dans la durée, dans le calendrier, pouvoir être sauvé au bout d'un an par une autre mission spatiale en provenance de la Terre pour le rapatrier. Alors je vous raconte dans les grandes lignes, mais le film, franchement, il vaut le coup d'être vu. Surtout si vous aimez la thématique. Et il est vrai que le film s'inspire pas mal de du jeu ou vice versa. C'est excellent. Moi j'ai bien aimé. Merde, je fais des bêtises. J'ai bien aimé voir ce film. Alors, il y a du rocambolesque en film d'action américain. Il y a des trucs surréalistes. On va pas se mentir. Mais la plupart des étapes où il essaye de sauver sa peau et de construire des trucs pour sa survie à la surface de Mars, c'est crédible. C'est-à-dire qu'on voit que c'est basé sur des travaux scientifiques réels, des hypothèses de la NASA pour pouvoir plus tard vivre dans l'espace en vrai. Ça vaut le coup d'œil. Et effectivement, je te rejoins, merci de m'avoir initié à Spin, une scène. Seul sur Mars, effectivement, c'est ça, c'est quasiment le jeu là. C'est, je suis seul. Alors là, dans le scénario du jeu, je suis un condamné dans une colonie pénitentiaire intergalactique et le scénario dit que j'ai fait vœu de transformer ma peine de prison en expérience de terraformation sur cette planète, mais on a vu les premiers éléments de scénario que j'ai découvert au fur et à mesure de découvrir cette planète. On nous cache bien des choses. Et c'est génial, c'est énorme. Bonsoir Gabriel, j'espère que tu vas bien. T'arrives sur la fin, hein, je m'apprête à rendre dans quelques minutes mon antenne. Poupon qui fait le jeu de mots, moi j'ai un potager mais il n'est pas cultivé. Elle est bonne. La scène, oui, avec la belote avec les martiens, mémorable, oui, bien sûr. Ouais, décollage de la fusée, Christella, oui, je vais le faire, merci de me le rappeler. Elle est là, la fusée, elle est sur son pas de tir. Ouais, du coup, je vais rendre l'antenne pour quasiment 22 heures, quoi. Allez, je vais ranger mes trésors, et pas des moindres. Mais, génial. Génial, génial, j'ai adoré ce que j'aurais vécu aujourd'hui dans le jeu. Donc, prochain rendez-vous Planet Crafter, j'ai envie de vous dire au printemps prochain, dans 3-4 mois. Ou davantage, si la version 0.7 n'est pas sortie d'ici là. Voilà, qui vivra verra. Bloom, attends, la puce, je vais la garder sur moi pour la ranger dans mes quartiers. Ouais, j'avais qu'une seule micro-puce. Ah oui, je crois que j'en avais deux. Alors, je range la micro-puce dans mes quartiers et décollage de la fusée. Oui, tu seras passé me dire bonjour. Je suis en vacances là entre Noël et Nouvel An et j'avais poussé jusqu'à minuit et demi hier en jouant au camion avec les copains, mais j'étais hors ligne en fait. Mais j'aurais pu pousser jusqu'à minuit, mais là je peux pas pour de tristes circonstances. Demain matin il faut que je me lève pas trop tard puisque j'ai un enterrement. Je tiens quand même à être présent à accompagner un bon copain qui va enterrer sa maman. Donc dur. Et comme l'enterrement, enfin du moins la cérémonie est à 9h30, il faut que je me prépare dès 8h du mat demain, donc je vais pas traîner trop longtemps à l'antenne. Ceci explique cela. Oula, on va voir le flash lumineux de la fusée parce qu'elle va décoller de nuit.
C'est énorme. Vous êtes prêts? Je sais même pas c'est quoi la fusée. Hein. Oui, voilà, un objet est fabriqué et déjà présent. Je sais même plus c'est quoi la fusée. Elles ont chacune une utilité. C'est parti. Décollage. Aïe. Et les fusées, normalement, déclenchent des pluies de météorites. Donc, pour ceux qui veulent me retrouver prochainement sur mon antenne, je serai là demain, je prendrai mon antenne entre midi et 16h. En gros, entre midi et 16h demain. Oi, 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 oi. Ouch. C'est petit. Je sais même pas ce que j'ai demandé comme... Parce qu'en fonction de la fusée qu'on lance, le contenu des météores est différent. Oh. Violence. Ouch. Barp. Oula. Oh. Oh. Vache. C'est tombé sur le vaisseau. Oulala. Là là. Encore? Ah oui, il y en a encore. Oula! Voilà. Ouch. Oh là là! On va aller voir. Ah! C'était quoi? Oh mon dieu, c'était de l'uranium. J'ai de l'uranium! Ah! Météore d'uranium. C'est énorme. Voilà, il y a des débris partout maintenant, c'est le bordel. Oi, oi, oi. Oui, oui, oui. Eh B. C'est sympa. On va voir l'ordinateur du pas de tir pour voir les fusées qui s'offrent à nous. Oh la vache. Alors, attraction d'astéroïdes, uranium, bah c'est celle qu'on a fait décoller. Iridium. Augmente la... Ah, fusée à plantes. D'accord, ça c'est pour les végétaux de manière générale sur la planète. C'est de l'épandage céleste. Oxygène, ok. Ça, c'est de la géolocalisation, c'est les GPS. Fusée d'information cartographique. Oh, afficher les points d'intérêt sur la carte. Oh, bah la prochaine fois, le prochain épisode, on se fera la fusée là. Ah merde, j'ai pas d'oxygène. Ah! Merde! Je suis mort. Je suis mort comme un caca sur le pas de tir. Ah oh. Ah bah tiens, il y a un autre météore là. Alors vous inquiétez pas, mes affaires sont rangées dans une boîte qui est apparue au lieu de ma mort. Et là, c'est tout connement sur le pas de tir. Voilà, je crois que j'ai ramassé tout l'uranium du météore. Ah bah j'ai pas l'air con. N'importe quoi. Voilà. Oups là, je retrouve mes affaires. Ouais, la prochaine fusée, ce sera l'information géographique. Faudra qu'on s'amuse à ça au prochain épisode. Oui, rip. Il faudrait que tu essayes Subnautica, c'est comme Planet Crafter, mais dans l'océan. Un jour peut-être, je t'avouerai, Gabriel, que j'ai vu des extraits de Subnautica. Alors peut-être pas les dernières mises à jour. Là, il y a Ladjet, l'ami Ladjet, qui me disait qu'il y a une grosse mise à jour graphique et ça fait fumer sa carte. Et, mais au moins, ça mérite d'en mettre plein de la vue. Et un jour, peut-être, je ferai du Subnautica. Non, il y a un jeu aquatique, enfin milieu marin, qui m'intéresserait, que je ferai plus tard, mais pas maintenant. C'est Raft. Le coup du naufragé, là, c'est... J'ai vu quelques épisodes et...
En plus, c'est un jeu qui peut se faire en coopération et j'aimerais bien le faire en coopération. Wally Walou. Bon, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Je vais ranger mes trucs là. Eh ben, c'était vachement bien. Je vais pas jouer davantage parce que il faut vraiment que je me force à aller me pioter là dans quelques minutes. Voilà, je vais sauvegarder. Parce que demain, le réveil à 8h, ça va me piquer un peu. Même si j'ai déjà préparé mes affaires. À bientôt, oui, merci Gabriel de ton passage. Désolé, hein, t'es passé un moment... Raft, craft, paf. Sacré poupon. T'es passé un moment où... voilà, je m'apprête à fermer l'antenne, pas de bol. Donc moi, demain, je vous dis environ entre 12h, entre midi et 16h. C'est ce qui est prévu normalement. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Un gros merci à Saul Goodman qui a fait son Père Noël et qui a offert, en plus de renouveler son abonnement, il a offert 10 abonnements sur la chaîne. Oh. Ah là 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 là. Ouais, merci à lui, sacré Saul. On l'embrasse. Eh ben, je suis encore un peu sonné par la féerie du jeu, quoi. C'est... Waouh. Le jeu nous en a mis plein la vue. Ouais, hein, belle balade, hein. Ouais. Merci, oui, bonne fin de soirée à vous aussi. Bonne nuit, merci, bisous tout plein. Merci, Christella. Merci à vous toutes et toutes, même si je vous cite pas tous nominativement, mais ça me fait bien plaisir de vous voir. Et puis je suis content que le contenu que je vous partage, ma bonne humeur, puisse vous égayer au possible. On va regarder, on va respecter la grande tradition Twitch. Je vais activer mon navigateur pour voir qui diffuse actuellement sur Twitch. Ah, mais bien évidemment, libre à vous de choisir votre activité, de choisir votre canal Twitch. Ça, c'est bien évidemment pas moi qui vais le choisir pour vous. Manquerait plus que ça, vous imaginez la dictature, l'horreur. Ah là là, allez, dans la belle tradition. Je regarde ma liste de diffuseurs. Ah, j'ai pas tant que ça en monde. J'hésite. Oh, Nounours, ça fait longtemps. Je pense que vous êtes pas mal habitué à Nounours, mais en plus, il fait du rétro, je sais pas ce que ça vaut. Mais je vais vous laisser auprès de Nounours. Merde, con, j'ai pris ta page de... Ta page de chaîne, Christella, et c'est dans ton chat que j'ai lancé la commande... J'ai pris ta... Ah, la commande raid, n'importe quoi. Je crois que je peux précipiter les choses. Si je vais dans gestionnaire de stream, oui, ça ira plus vite comme ça. Le petit parachute. Oui, voilà, j'ai même pas d'autres directs à vous annoncer demain, puisque c'est moi qui vais être quasiment le premier à me lancer dans la bande de copains que nous sommes. Voilà, Nounours fait du rétro, il fait de la Mega Drive. Et j'arrive pas. L'image que j'arrive pas à savoir quel jeu il fait. Mystère, va falloir lui poser la question. Bref, prenez soin de vous, merci tout plein. Gabriel, tu dis, je me suis dit que j'allais venir sur Twitch pour ne pas m'ennuyer. Et c'est ce que je fais, bien que je ne sois pas resté longtemps. Éventuellement, regarde Nounours. Que je peux te proposer, tu vois, en relais de chaîne, peut-être que tu vas apprécier sa personnalité, Gabriel. Nounours, il est adorable. Et il aime tout ce qui est manga, jeux vidéo, mais pas que, des séries, etc. Et peut-être que tu vas apprécier sa personnalité. Voilà, sinon malheureusement, je te laisse planer sur la plateforme, Gabriel, hein, je suis désolé. J'ai pas d'autres idées à te suggérer, malheureusement. Allez, bisous tout plein, merci pour tous les copains, prenez soin de vous, moi je vous dis à demain, aux environs de midi, ciao ciao, on file chez Nounours,
Et merci les anonymes qui regardent. Je connais pas son jeu. D'accord. Michael Jackson. Et merci le sage. Merci pour ton raid. Bienvenue à toi et tes raiders. Comment vous allez? De base, il est afro-américain, il me semble. Même pas métis. Je pourrais même pas dire, c'est petit. Il y a un footballeur qui s'appelle Varglia.